juillet 1941, donc tout au début de la guerre, que quelques lucipontins qui n'entendaient pas s'incliner devant la bataille perdue de mai-juin 40, messieurs gouverneurs Munch et François, décidèrent d'organiser un mouvement de résistance en 1942. Des contacts, des pourparlers et réunions permettent d'aboutir à la formation d'un groupement local dont M. François, lieutenant-colonel de réserve, accepta de prendre le commandement. Les actions ont été de 34 destructions diverses, 14 sabotages de voies ferrées, 2 wagons spéciaux de réparation mis hors service, 10 déraillements de trains qui bloquèrent les voies, 4 pylônes de ligne à haute tension de 110 volts détruits, 5 coupures de câbles téléphoniques souterrains, 3 destructions par explosif des ponts canaux, une drague de 70 tonnes d'extraction de sable coulée. Ces dragues permettaient de charger du sable dont les Allemands faisaient des ouvrages avec. 7 coupures de route par abattis réalisés. Les abattis, c'est quand on coupe les arbres qui dans la route. Il faut ajouter ainsi aussi que la récupération d'Anglais et Américains, parachutés ou abattus, a donné de bons résultats. 18 aviateurs furent recueillis, 3 seulement, dont 2 blessés, furent repris par les Allemands. Dès le débarquement, la mission a été de retarder au maximum les convois allemands qui étaient envoyés en renfort en Normandie. Le résultat a été obtenu en ayant 2 divisions rhénanes ont atteint la Normandie avec un retard de 6 jours, ceci dans une bataille décisive et déterminante. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades.